aujourd'hui, j'ai jamais vu ça. Yo, comment ça va la famille? Moi ça va, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Non, c'est sur le téléphone maintenant, là c'est sur le PC. Le téléphone il est là, non c'est PUBG que je fais. Là c'est différent. Aujourd'hui c'est une vidéo d'explication, je ferai les vidéos sur PC. Il y aura sur téléphone mobile, mais quand j'aurai envie quoi. Là j'ai pas envie donc laisse tomber. Comme j'ai pas envie, il y a très peu de vidéos. Je vais te dire, faire des captures, on voit souvent sur mes réseaux sociaux. Mais c'est tout. La dernière fois j'ai un BSOD. Mais j'ai pensé que c'était horrible. Bref. Aujourd'hui, c'est très peu de choses. On s'ennuie, vous savez, ça, on s'ennuie. Quand t'as fini GTA, tu fais quoi après? Fortnite. Ouais, j'ai fait une photo, j'ai dit que j'allais faire Fortnite. Le jeu prend trop de place. 40 gigas. Mon PC, on fait ça beaucoup de place. J'ai utilisé quoi? Attends, deux secondes. J'ai utilisé 129 gigas, donc il reste 335 gigas. C'est mieux, c'est mieux. Mais là, c'est que je prends Fortnite, ça a bugué quoi. J'étais à 4, il bug pas. Je dis ça parce que j'ai un PC portable. Fortnite va bugger quoi. Mais je trouve un moyen que le jeu bug pas. J'essaie au moins d'avoir 30 FPS. Et puis on va dire 82 ping. Beaucoup de ping. Alors beaucoup de ping. Comme sous PBG. Mon pseudo c'est Jason. Si vous voulez me fighter, de toute façon je vais vous niquer. Moi je suis très avancé, je suis puissant, je suis niveau 34. Mon pseudo c'est Jason. JF. J majuscule. Et puis JF collé. Aussi Call of Duty GTA Saison DS, GTA 3, GTA Vice City, GTA 4, mais j'ai pas GTA 5, j'ai pas téléchargé GTA 5. Je peux l'avoir sur le PC. Il prend 50 gigas, j'ai une torrent là près de moi. Je dis aussi que je cheat les jeux, les gars. Je peux vous montrer comment on fait. Je peux peut-être hacker GTA pour vous. Comment avoir masse argent, ça c'est très facile. Je vais même tester avec on va dire GTA Vice City ou bien San Andreas. Plus jamais je touche à ce dossier-là. Je dois. C'est pas horrible. C'est pas horrible. Sauf là. Par contre, je vous conseille de pas télécharger ça sur internet parce que vous allez être traumatisé. Si vous aimez Zelda, ne faites pas ça. Bon, je vous dis déjà ça, tapez pas ça sur internet. Vous voulez pas gâcher votre jeu. Si vous aimez Zelda, faites pas ça. Si vous aimez pas Zelda, ben niquez. Envie vous, mais tapez pas ça sur internet. Ce jeu là, ouais c'est un jeu, c'est un jeu, on va dire que c'est un jeu. Certaines personnes le considèrent comme un virus, mais pas moi. C'est un virus, je vais vous aider à tuer. Bref.
J'ai Minecraft, j'ai GTA, je peux hacker, j'ai Steam, je peux hacker GTA avec mon appli. J'ai d'autres GTA là. J'ai quoi encore? San Andreas, GTA 3, GTA Vice City. Call of Duty, ouais, c'est vrai. Par contre, j'ai pas tous les Call of Duty. J'ai même pas pris Warzone. Donc, par contre, j'aime pas Valorant. Mais si vous voulez me faire été sur PBG, ne vous inquiétez pas, je suis là tous les jours. Donc, je joue à PBG tous les jours. Ne vous trompez pas, il y a beaucoup de Jason. Je voulais me fighter. De toute façon, j'ai jamais perdu. J'ai toujours fait top 1. Faut voir mon level, les gars. Franchement. Je peux vous montrer un tuto. Quoi que. Peut-être je vais faire GTA Vice City pour vous montrer que c'est très facile d'hacker le jeu. Démonstration. Par exemple, j'ai l'appli qui permet d'hacker. C'est en anglais par contre. Je sais pas si vous parlez l'anglais. Bon, c'est pas très important. Bon, je sélectionne l'appli. Ouais. Vous tapez un chiffre, vous faites scan. Il va vous trouver plein de chiffres. Il faut augmenter sa valeur. Là, c'est adresse. Là, c'est valeur. Il faut augmenter ça avec le de. Ça fait beaucoup de bruit chez moi. Bref. Donc, d'augmenter sa valeur qui dit. Par exemple, si dans GTA, vous avez quoi 1000 euros et vous voulez faire monter l'argent à 1500. Donc, là, vous tapez 1000. Ensuite, vous retournez sur l'appli, vous tapez 1500. Normalement, il doit avoir un. Jusqu'à 5 valeurs maximum. Ben, vous faites changer valeur, vous mettez 9, 9, 9, 9, 9, 9, et puis c'est bon, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est très facile. C'est rien de compliqué. Flo, moi j'ai pas envie de jouer à GTA. Donc, si ça marche pas, vous me dites en commentaire. Je vous mets le lien de l'appli aussi si vous voulez l'appli. Je vais faire aussi sur mobile. Par contre, sur téléphone mobile, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous me suivez, tout va bien se passer. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de démonstration. Je peux vous dire que maintenant, les vidéos, il y aura beaucoup plus sous PC et beaucoup moins sur mon téléphone mobile. Et, vu que j'ai trois téléphones, donc là j'utilise deux, parce que le troisième est un peu amoché, donc je peux pas faire de vidéo dessus. L'écran est pété, donc je l'utilise seulement pour aller sur YouTube, pour écouter la musique. C'est peu que je fasse des vidéos sur mon Samsung, ben, sur mon autre téléphone. Juste pour vous montrer que hacker un jeu, parce que je suis hacker, à mi-temps, c'est pas très difficile. Franchement, c'est un petit peu comme sur PC. Sauf que l'appli, c'est pas la même chose, c'est pas Cheat Engine, c'est Game Guardian. Il faut router son téléphone. Ou bien il y a une appli qui permet d'avoir cette option. Vous tapez sous Play Store, comment ça s'appelle? Je vais mettre le lien en description si vous voulez l'appeler, il n'y a pas de souci. Ça me gêne pas. Donc, juste une vidéo de démonstration. Alors, je vais te montrer autre chose. Mais ça, j'aime pas ça.
Je voulais vous dire que vous pouvez avoir aussi des émulateurs, que je veux dire, une console sur un PC ou un téléphone. Vous pouvez télécharger une console, on va dire virtuelle, sur votre PC. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici un émulateur, un PSP, un émulateur PSP. Vous tapez sur un PP, SSPP. Vous avez la version mobile, Mac, PC. C'est un émulateur PSP qui permet de jouer à vos jeux, comme par exemple GTA, Dragon Ball Z, tout ça, Metal Slug, Dark Souls, tout ça. Il y a aussi un émulateur GameCube, aussi un émulateur PS2, PS1, PS3. PS4, vraiment, c'est pas vraiment la fin d'avoir un émulateur PS4 sur téléphone. Bon, vous trouvez tout ça. C'est très simple, Home Station est là pour ça. Vous tapez Home Station, téléchargez Home Station 64 bits. C'est tout. Vous la téléchargez, vous l'installez. Cette application propose plusieurs émulateurs. Vous pouvez essayer. Il y a Sega, il y a PSP, il y a GameCube, il y a Game Boy, il y a PlayStation, il y a Xbox. Il y a que des anciennes consoles quoi. On va dire de Nintendo 64, PS3, PS2. Donc on va dire de 2005 à 2014. Donc que des vieilles consoles quoi. C'est vrai que j'utilise pas Steam. Bref. Il y a aussi un RPG, vous pouvez me rejoindre sur le niveau 32. Ça s'appelle Roi Kingdom. Vous pouvez charger, ça prend 10 gigas sur le PC. Mais tranquille, tranquille. C'est un petit RPG, c'est très similaire à... comment ça s'appelle? C'est très similaire en fait, en manga quoi. On va dire pas One Piece. Naruto. Je sais pas si vous connaissez. C'est juste manga. Black Cat. Similaire à Black Cat. Je sais pas si vous connaissez. C'est un vieux manga sorti il y a longtemps. Tu as des classes. Ouais, c'est un petit peu, voilà, comme Black Cat, tu as des classes, tu as pistolet, tu as épée. C'est très un RPG similaire à Final Fantasy, si vous voulez. N'hésitez pas à me rejoindre, mon pseudo c'est Diamond 972. Voilà quoi. Et c'est tout de suite, vous me dites sur Insta. Mon nom c'est Jason, comme d'habitude, sous mes trucs c'est Jason. Donc JF, là toujours un JF. Si c'est pas JF, c'est pas moi par contre. Parce que moi ça j'écris JF ou JP ou PJ ou FJ. Mais voilà, c'est tout. Je mets toujours les initiales de mon famille à côté. Si c'est pas le cas, c'est pas moi, laisse tomber. J'ai aussi Asvat 9 sur mon PC. Vous pouvez rejoindre mon clan. C'est pas très fort, mais multijoueur, je nique tout le monde. Modern Combat aussi, si vous jouez Modern Combat 5, Sniper Fury, Modern Combat Versus, mon pseudo c'est Jason aussi, et puis Diamond, Monsieur JP. Et puis vous pouvez me trouver dans tous ces jeux-là. World of Tank aussi. N'hésitez pas à rejoindre mon clan, nous sommes 30. Donc on parle français, il y a des anglais, mais ils sont pas tout le temps présents dans la guilde. Donc comme il y a plus de français qu'anglais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc on fait des parties assez souvent, on va dire le week-end. Je veux dire, aujourd'hui vendredi, donc le vendredi, le samedi, le dimanche, le mercredi matin,
Ne vous inquiétez pas, c'est juste des jeux, il y a jeux de voiture, enfin, racing, comment dire en anglais, combat, je fusille comme Call of Duty. J'ai pas tous les Call of Duty par contre, comme je disais tout à l'heure là, j'ai un vieux Call of Duty, j'ai le Call of Duty 1, je sais pas si vous avez déjà joué. Mais c'est vieux, le plus Call of Duty sorti hein, il y a longtemps. Ça c'est le 1 les gars, Call of Duty 1. Ça c'est Call of Duty 5. Enfin Call of Duty World at War. C'est après Modern Warfare 4, Call of Duty 5. J'ai Call of Duty Modern Warfare 1, 2. Mais j'ai pas le 3 là. Dernièrement j'ai sorti une vidéo projet. Le projet c'est de télécharger un jeu et de finir tous ces chapitres qui veut dire comme par exemple GTA ben je télécharge GTA 1 et puis je finis jusqu'à GTA 5 là, du début je fais tous les jeux en même temps début à la fin c'est l'objectif quand vous dites aussi j'ai fini le 1 j'ai fini le 2 j'ai fini le 3 non j'ai pas fini le 2 le 3 j'ai fini le 4 enfin ouais quand vous dites Simon de Warfare. J'ai fini Call of Duty Modern Warfare 1, j'ai fini le 2, j'ai pas encore fini Call of Duty 5. J'ai aussi donc là j'ai GTA 3, j'ai GTA Vice City, j'ai GTA 4, j'ai GTA San Andreas, il me faut GTA 1, il me faut GTA 2, il me faut GTA 5, et avant et que je parle comme GTA PC. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de GTA. Il y a GTA Chinatown aussi. Il y a GTA Vice City Story. Il y a GTA Liberty City Story. Mais ça, comme je l'ai parlé tout à l'heure, c'est sous PSP et PS2. Vous pouvez prendre l'émulateur PS2 sous Home Station. C'est gratuit. Sauf que vous avez un compte premium parce que. On va dire que c'est important d'avoir ce compte parce que Home Station. Vous téléchargez un jeu qui prend au moins on va dire 10 mégabits, et bien ça prend quoi? 10 minutes. 10 minutes pour télécharger un fichier de 10 mégas. Donc pour vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à mon station, abonnez-vous Instagram, je vais mettre le lien en description, Instagram, Twitter aussi, j'ai fait un compte Twitter il y a presque 3-4 mois, n'hésitez pas à mon stamp aussi, je vais me snapper, Instagram, Facebook, Discord, je suis présent sur Discord. Je suis présent tous les jours sur Discord, n'hésitez pas à me parler. Ce qu'il y a de bon sur les jeux, j'arrive. Je fais une partie avec vous si vous voulez. Comme PB, j'ai fait une photo sur Insta. J'ai fait top 1 les gars. C'était mon 10e top 1 de la journée. Bon, faut pas me sous-estimer les gars. Présent, n'oubliez pas mon pseudo Jason JF. Il se fait que j'ai 97 d'à côté, mais c'est Jason JF. N'hésitez pas, abonnez-vous à mes comptes, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Donc, pour conclure la vidéo, juste un petit message de fin à quel les jeux. Si vous hackez des jeux, faites pas attention, vous êtes piraté, vous êtes banni du jeu et c'est terrible. Allez, au revoir.